Eh bien, salut à tous, j'espère que ça va bien. Allez, donc ce soir on va tester Evoland, on va remettre un peu de son. Hop. Manette non supportée, c'est dommage. J'ai une jolie manette Xbox. Donc ce soir Evoland, pourquoi Evoland? Parce que bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de rétro, on était sur du jeu récent. Ce jeu-là, vraiment, j'avais vraiment envie de le tester. Il a vraiment cette petite esthétique très sympa pour les rétro gamers et pour les joueurs récents. Donc vous allez comprendre tout de suite. C'est un jeu que vous pouvez acheter sur Steam. Pas très cher maintenant, il doit être à 5 €. Salut Nico-chan! Bienvenue à toi. Donc voilà, je suis. J'ai commencé le jeu, je n'ai le droit qu'à une seule touche, donc ça va être simple. Hop! J'ai débloqué une touche Josh. Et donc voilà, en fait, au fur et à mesure, vous allez débloquer différentes capacités. Là, pour l'instant, donc j'ai le droit qu'à un seul scrolling et pas de son, rien. Là maintenant, du scrolling. Hop là! Donc c'est sans rappeler les premiers Zelda. Ah, bah ça y est, je commence à avoir des sons. Ça fait un peu moins vide. Donc voilà. Donc bon, le début vous permet vraiment de vous mettre dans l'ambiance sans vraiment avoir de difficultés. J'ai une épée, cool. Bon, ça va, encore au niveau du gameplay, c'est pas trop compliqué pour l'instant, c'est uniquement la touche espace avec les. Ah, on a les monstres. Alors, on va essayer d'apporter un petit peu de couleur à tout ça. Musique déjà. Hop là. C'est une téléportation ça? Point de sauvegarde, pardon, point de sauvegarde. Ça reste très simple et pourtant c'est super sympa quoi. Étoile, trouver une ouvrir. Je suis pas allé très très loin donc je sais pas forcément ce qui va nous attendre après mais pour l'instant on se trouve avec un petit jeu en couleur maintenant. Donc ça permet vraiment de. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé le concept. D'évolution graphique très très sympa. D'ailleurs, si vous voulez tester, il y a une petite démo qui est en HTML sur leur site. Je pense que en fait, le premier niveau peut être testé directement via le navigateur. Je suis mort. Eh ben, ça va rapidement. Ça va un peu plus souvent, moi. D'avoir un cœur, des cœurs après. Ah, vous avez plus de live. On va relancer. Est-ce que vous me voyez? Ça.
plaisir, tout ça. Ouais, c'est sur Twitch. Ah, c'est bon. Écoutez, j'ai une petite coupure, c'est bizarre. Allez, c'est reparti. On n'avait pas vu mourir, c'est déjà bien. Allez, c'est reparti. Tac. Du coup, je vais pas faire la même connerie, je vais sauvegarder. Hop là. Vous avez rien vu. Zelda, on l'a déjà fait, Zelda Awakening. On l'avait fait en live avec Fred. Et on l'a fini d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voilà, ils ont vraiment inspiré de tout ce qui était Zelda. C'est bon. Allez. C'était vraiment dur de pouvoir taper dans les coins. Mais tu peux regarder les replays si tu veux. Non, ça, je peux rien faire. Chauve-souris ! Oui ! Alors, gros caillou. Oh, c'était il y a un petit moment en plus, c'était l'hiver dernier, je crois. Ça regarde. Waouh, générique ! J'ai débloqué générique. Allez, on va passer un peu vite quand même. Alors... Ils auraient pu le laisser de fait au plus de lance à chaque fois, ça aurait été marrant. 256 couleurs. Alors c'est très sympa. Et après il y a un petit affichage 3D me semble un peu à la Golden Sun, je dirais. Arthritique quand même. Hein, premier, je peux rien faire. Ah, je peux me déplacer plus librement. Alors... Ça tombe bien, vous savez, il y a un truc pas mal. Allez, on continue à débloquer des trucs pour arriver, j'espère, bientôt. Bientôt à des graphismes un peu plus sympas. Parce que mine de rien. Allez. Ah, il faut le choper par derrière. Oh, sérieux? Allez, c'est parti. Oui, c'est reposant. J'ai ouvert un passage. Oui, c'est vrai. J'ai débloqué la carte. Oh merde, tour par tour. Ils ont vraiment pompé, enfin pompé. Récupérer toutes les meilleures idées des jeux d'époque et c'est vraiment très sympa quoi. Je crois d'ailleurs que c'est des Français qui ont fait le jeu, hein, sans dire de bêtises. Si je m'éloigne un peu de la carte. Ouais, ok, je vais être quand même assez limité. Ok, gros poulet. On va passer. Allez, on s'en fout d'XP. Mode 7.
Non, ils ont. Hop. Le lieu, la prairie. On s'est pas trop méché. Hop. Allez, hop. Oh, putain. Pardon. Allez, ça va, si. Alors... on va se les faire un par un. Hop, grand tour. Parce que si je les fais pas, il va me débloquer un coffre, on a dit. J'ai une portée à la con avec mon épée. Coffre débloqué. Voilà. Papunka. Je suis sur village Papunka. Alors, je ne peux pas atteindre la maison. Alors là, par contre, pour le coup, je sais pas, pour ceux qui ont connu, ça me fait vraiment penser à du RPG Maker. Eh oui, c'est... Il est sorti en 2013. Il est sorti en 2013, il y a deux. Faut toujours commencer par un premier d'abord. Ouais, donc ça avait pensé à RPG Maker, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'était un moteur qui vous permettait de créer vos propres RPG. Et enfin, moi j'ai passé tout mon adolescence dessus, c'était juste énorme quoi. J'aimerais bien trouver le coffre qui me débloque les gens. Il y a un coffre par là. Non. On va continuer à tourner. Ah voilà. TNJ. On parle pas aux enfants. Alors. Chimini. Donc il faut que je trouve le coffre grande personne. Hey Krilin, ça va ? Pas d'enfant. Ouais, y'en a. Y'a un enfant. Ça, la graine est trouvée et tombée dans le puits. Ah, faut que je trouve le puits. Alors. Et oui, ils sont énormes, oui. Je peux maintenant rentrer dans la maison ? À la maison. Allez, on va trouver le puits. Et puis c'est tout. Alors, il est où le puits? La musique c'est comme moins agressive que tout à l'heure, c'est plus agréable. Ah, il est où ce con de puits? Toujours pas d'enfants. Là, ce soir j'ai une collection un peu en bois, je suis pas sûr, je suis désolé. Toi le puits, oui, je veux le temps. Mange la graine. Je vais en prendre de la graine. Et je suis adulte. Très vite, je dois faire des travaux chez moi, ça va me permettre d'améliorer la connexion. Parce qu'en fait, là, je suis en CPL ou en Wi-Fi et j'ai trouvé de quoi. J'ai trouvé. Je vais rallonger le câble pour améliorer la connexion. Ah oui, il y a des kefka, je pensais qu'il y avait des kefta dans la caverne. Attention, boulet de viande. Salut Kay!
comment tu vas? Allez, je vais aller. Mais on s'en fout, je veux passer. Faut que je me stuff. Ça va nickel, merci. Hey, j'ai une carte torque. Je suis super content. Bon, allez, on va fouiller. Comme d'habitude, hein, on va faire du farming, ce qu'on appelait avant le farming, hein, donc se faire maison après maison. Donc là, je peux toujours rentrer. Comme tu vois, okay, on se fait du rétro qui n'est pas du rétro. Vendeur, allez. Content de prendre votre argent. Allez, on va acheter. C'est de passer maintenant que je suis mieux équipé. Est-ce qu'il va s'est passé? Alors, je trouve le bouton pour l'inventaire. Bouton. Hop. Ah, i, inventaire, ok. Oui, ça sert à rien. Ok, c'est gentil. Bon, il faut quand même. Ouais, merci, merci pour Tab. Ça marche aussi avec qui? Il va passer à mon séjour, il a de pas envie de passer à mon séjour lui. On s'en fout. Les bons vieux PNJ qui disent pas la même chose. Ça, c'est un hôtel, je dirais. Aubergiste! Ça arrive malheureusement ce soir, ça risque de pas être extraordinaire. C'est pour ça que j'ai pas forcément pris un jeu qui a besoin de. Non, on va passer. Un poulica. Alors, personne n'est jamais revenu. Je veux y aller dans cette caverne. Voilà, ça, on s'en fout. Très zéro la musique. Hop là. Et je suis pas sûr qu'on puisse aller dans le droit de ce pas endroit. C'est la colline. Ça, c'est ce qui me souvient quand je jouais à FF7. Tu veux un endroit, c'est vite vite, il y a un endroit. Il faut toujours retourner à l'école. T'as toujours un monstre qui vient t'emmerder. Et là c'est d'où je viens. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment on voit plus qu'elle, bah, elle va être occupée avec l'école. Je suis libre. Par contre il me file pas grand chose hein, les bâtards. Ah bon, peut-être qu'on manque l'armure pour passer. Bien. Allez, je vais acheter l'armure.
fallait peut-être que je fasse un petit peu d'expérience. Il y a le marchand, ouais. Acheter un or de cuivre. Allez, c'est parti, on va aller défoncer du monstre. Merci monsieur. Allez, nous sommes arrivés plus loin que je ne suis jamais allé dans le jeu. C'est trop bien, non? Combat forcé. Non. Mon nom est Eris. Eh bien, c'est très bien. Faux choix. Alors qu'elle va pas mourir d'une épée dans le bide, elle. Hey. Nous trouvons le tour. Oui. Vous voulez comment ça va là? Je suis en voyage. En fait, je voulais te parler de ton nom. Clint. Ça me va bien, Clint. C'est parti. Je veux des cristaux. Donnez-moi des cristaux. Allez. Monstre des cavernes. Ouh, j'ai pas dit. Ça sert à rien. C'est pratique, on peut jouer d'une main. Hop là. Allez, on sait par la gauche. Parce qu'il y a que dalle. L'argent, c'est des glisses. C'est marrant ce que donc. L'argent, non, c'est un sous-tofana, je crois que c'était des guilds, j'avais toujours appelé ça. Des giles quand j'étais petit. Je comprenais pas pourquoi on gagnait des giles, enfin, c'était un peu nul quoi. Alors. J'ai trouvé des sous. Merde! Allez, retranche ta mère! Oh, elle touche que dalle! Bonjour, j'ai une acolyte qui sert à que dalle! Ah. On va vraiment la buter quoi! Kairi, ça sert pas à grand chose, hein. Allez. J'ai raté, sérieux. T'as kiffé, j'ai raté. You fucking kidding me. Voilà. Un coffre. Je veux ce fucking coffre. Donne-moi le coffre. Tour, on va...
Point d'expérience. Jusque là, j'avais pas d'expérience, c'est trop bien. Et je me fais violer. Rator Tank et des tons. Allez, Pokémon Barrier. Coucou, il m'a fait mal lui. Non! Elle réapparaît pas elle. Ah ouais, on récupère un peu de... On va récupérer un peu de points de vie, des trucs comme ça chez le marchand. Ah oui, on s'est cassé carrément des Pokémon là. Non, c'était plus là. C'est là, non? Non, c'était pas là. Désolé. On s'y fait la musique quand même. Ah, la poire. La poire, c'est le marchand. Pas pourquoi. Quand ça devient du action RPG à la Zelda au début, hein. Quand même. Allez, c'est vrai que c'est quand même pas mal. On joue d'une seule main. Et j'ai pu m'entraîner un petit peu à Heroes of the Storm, donc on va pouvoir, bientôt se lancer dedans. Hop là. Pas de méchant, c'est cool. On s'en fout. J'ai pas forcément accroché à LOL, mais c'est très sympa. Je me suis même acheté un personnage en utilisant le point d'expérience. Là c'était vite bouclé. Mon pseudo ça doit être Hob hashtag je sais pas quoi, hein, donc je joue Kirigan. C'est comme Kirikou mais en blanc. Ah ouais, je peux pas y aller, c'est vrai. Salut Adric. Ouais, je suis un peu magique. Faut que je t'ache trop vite en fait. Avec des soins, en fait, ça arrête là. Ouais, il est pas mal, il est assez complet, donc franchement, je vois, c'est un des seuls que j'ai réussi à pas trop mal gérer, on va dire. Donc, il était pas cher, donc j'ai utilisé. J'ai utilisé les quelques pièces d'or que j'avais glanées en combat pour l'acheter. C'est un petit peu radin, hein, pièce d'or, hein, quand même. Parce que 10 pièces d'or ou 20 pièces d'or la partie, pas riche, hein. Ouais, une étoile, c'est trop bien. Tout ça pour une étoile.
Arrêtez de spammer. Alors... Alors... Je suis même pas level 5, moi je dois être level 2 ou 3. Hein. Fontaine de vie. Ah c'est ça. En plus ça sauvegarde. Cool. Et voilà. On continue à visiter. Arrêtez de me spammer. Quelque part, mais ok, où? Alors. C'est ça. C'est ça, les graphismes s'améliorent au fur et à mesure. Écoutez, mis à part le spam continuel des méchants, le jeu est plutôt sympa, hein. Mais pour deux à l'œil, on retrouve vraiment les classiques, c'est assez clair pour même pour un novice. Et oui, au moins non qu'on en parle. Et je me suis enfin décidé. Ah, caillou. Wabé, allez meurs. Voilà. Ok. En effet, ouais. Allez, on va le défoncer. Il y a beaucoup de méchants comme ça. Hop, je vais me soigner. Tu m'ouvres pas? On va ressusciter la petite. Ah ben voilà. Premier boss. Niveau 4. Allez, on a le cristal. Eh ben voilà, on passe. Mode 3D. C'est bien, on aura commencé un nouveau truc là. On aura bien lancé, salut Sama. X16-8. Il y a un petit retard sur la musique entre la musique et le jeu quand même. La bonne vieille 3D. Ils l'ont bien lissé comme sur la PS1, c'est bon. J'ai l'impression de voir un zombie. Allez, poulpe, viens par le poulpe.
peut y avoir des jeux plus sympas quand même. Et ça finit comme sur PS4, c'est Dishonored, excusez-moi. Comment on y va là? Petit coffre caché. C'est con, on se prend quand même pas mal au jeu. Hein. Ah ah! Une étoile. Une carte. Zumba. C'est bien, à mon avis, je pense que je vais la chanter toute la journée au boulot demain, celle-là. Vous aimez les angles droits, les mecs, quand ils disent les choses, quand même. Remarque, moi il y a de la texture. Eh oh! Et si toi. Ah, oh, ça me fait envie de jouer à Lundra quand je vois ça. Pierre dimensionnelle franchie. Le début du jeu. D'accord. Et je pouvais pas vous faire, je sais pas pourquoi. Ok. C'est vrai qu'il y a le début du jeu. Je peux pas le défoncer, je pourrais le défoncer plus tard, à mon avis. Tac. L'avantage c'est que faire ce genre de jeu maintenant il n'y a plus aucun temps de chargement. Et bien décidément ce soir j'y arrive pas. Hop, nouveau coffre. Non, je veux des méchants graphismes. Donnez-moi des méchants graphismes. Vie bonus. C'est à mon avis, je vais me faire défoncer. C'est fini, vie bonus. J'ai débloqué le zoom pour les coffres. Le truc qui sert à que dalle. Il y a un sapin, je pense qu'il faut là. C'est la classe. Carte guêpe, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on va raconter un peu sur le chat d'ailleurs? Je vais faire chier tout le monde au boulot demain. Tiens, meurs-toi. C'est quoi la chanson? Hop. Voilà. T'es naze, mais c'est juste lundi. Si t'es déjà fatigué, c'est dommage. Je sais, je crois aussi. Petit cœur. Texture HD, la méga classe. C'est qu'il est beaucoup plus mignon comme ça, petit copain. Non, c'est pas la jolie. Ouais non, mais je m'en fous, je vais y aller. Tiens, texture HD.
étoile. Oui, c'est beau. Je vous rassure, hein, la texture sur HD, mais moi je joue toujours aussi mal. Hein. J'aurais pu faire les textures HB aussi, tout en crayon. Allez, c'est parti. Après une blague aussi douteuse, je ne peux qu'avancer. Jolie carte. Mode 3 dimensions. Et j'ai débloqué un succès. Excellent! Le petit Bowser sur la truc, c'est sympa. Elle a vraiment la même tenue qu'Iris, hein. C'est un bon petit mélange, la fillette. Alors, peau cassable. Les peaux, les ennemis des RPG. Faut pas être potier hein, dans les RPG. Pourquoi tu fais, tu gagnes bien ta vie, à mon avis. C'est ça, de Fantasy Life. Tiens. Plaque à pression. Y'a de la bière qui sort? Non. Pas des bonnes plaques à pression, alors. Alors, elle sait que ça passe vite, mine de rien, il a fait trois quarts du temps. Mur cassable. Ils reprennent vraiment les classiques des RPG. Hein. Hop. Pièce PG, super. Ok. Merci. Une clé, forcément. C'est pratique à ce jour du bon côté de la porte. Les petits commentaires en bas sont très très sympas quand même. Eh oh. Ton statut me dit quelque chose. Ah, on va pousser la souris. Je vais dépasser le chat un petit peu, pour pas que ça gêne. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Je vois quelque chose sous l'eau. Il doit y avoir un mécanisme par ici. Oui, forcément. Je pense que je le verrai. Ouh, mécanisme. J'ai trouvé quelque chose. Bon petit sarcasme dans les trucs, c'est pas mal. Toujours à droite, ça devrait marcher. Ok. Toujours là. Tiens. Prends ça. Allez! Je pense que je vais faire un petit live sur jeu Laserdisc comme Road Adventure. Donc ça va être du QTE en pagaille, mais de jolie qualité, sur du vrai Laserdisc en émulé. Ça va être très 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 chouette. Du vrai Laserdisc en émulé, je suis pas sûr que ça ressemble bien en fait. Je suis pas sûr que ça se dise. Mais merci à Seb qui m'a passé les ROM parce qu'elles sont pratiquement introuvables, parce qu'on trouve les versions Mega CD etc, mais qui sont bien en dessous des versions arcade originales. Et là on a la version arcade. Alors bien sûr, en plus ça se joue très facilement parce que ça doit se jouer
Avec deux doigts, peut-être. Ok, je sais pas que j'avais la clé. Allez, meurs toi. On va continuer à tourner. Et vous lâchez même pas un cœur, bande de radins. Bande de radins. Fosse d'Andrésine. Alors, hop. On va faire quelques chauves-souris. Faut moins le faire, Batman. Hein. Allez, pousse! Pas trop fort, hein. C'est bon, c'est le truc de Final Fantasy aussi. La tête de lion, ça y ressemble, hein. Un petit peu bourré de clin d'œil, les mecs, c'est des fans en même temps. Ils sont pas enlevés, ils ont voulu se faire plaisir et on en fait pareil. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! C'est un piège ! Yo ! Ils sont un peu chiants par le côté là. Hop, c'est fini, oui. Hop, hop, hop. Bien. Alors, les joueurs des disques, bah, c'est Road Avenger, c'est Dragon, pas Dragon Quest, Dragon's Lair. Et la suite, c'est Dragon's Lair qui se passe dans l'espace. Sous ce genre de jeu en fait. Ce genre de dessin animé interactif. Ah merci. Ouais. Faut que je peux pas varier. Faut que je pousse le coffre. Ah bah faut que je fasse découvrir en fait, c'est grosso modo c'est du Disney interactif dans le bon côté dommage. Okay. Mais tu sais quoi, je vais me barrer. Ouah. Hop là. Tac, 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 ah ok. Tac, tac, ok, on va 3, 2, 3, et j'avance. Ouais, I can do it again. Here I am. Hey oh. Comment je vais le faire? Ah voilà! Tac tac tac, petite énigme. Je ne suis pas trop bête.
Ah, ce soir, ça merdouille à mort. J'ai une collection en mousse ce soir. J'ai pas de clé. Désolé. Oh putain. Ça va, clé, génial. Wow. Ah ben pas de sauvegarde, hein. C'est pas trop tôt. Merci. Le cœur dans la lave. J'aimerais quand c'est bon. Ouais, en même temps, dans un donjon. Ok. Ça. Je dirais ça une fois que je serai passé. Hein. Voilà. C'était pas mal ça. Je l'avais pas vu. Plus rien de marée. Fucking kidding me. Ok, je suis passé. Merci. Oh putain, un combo. Donnez-moi un cœur. Putain. Donne-moi un truc. C'est du boss, génial. Putain. Ok, je suis bourru. Non, arrête, je commence ça. Ça commence mal. Tac, 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 tac. Hop. Et tout en bas. C'est passé. C'est passé. Ta gueule à toi. Abusé là. Je me sens un petit peu harcelé. Ok. Alors, au clavier, c'est pas génial, hein. Je trouve ça bizarre qu'il détecte pas ma manette. Pas ma Xbox, c'est pas non plus. Et c'est pas une technique d'ailleurs.
Hop là, donne-moi un cœur. Un cœur. Hop. Ok. Merci. Eh ben. Il a piqué la couve. Ouais, j'ai tout de suite connecté en ce moment, je suis en pour parler avec mon fournisseur. Je la manette. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Manette détectée. Vous avez maintenant le plug and play. Allez, on va se faire le boss juste avant la fin. Parce que j'aurais passé le premier niveau. Rien toi. J'ai pas d'émotion. Alors. Hey, il te ressemble. Merci. Merci. Enfin, il me ressemble, je sais pas faire avant ça. Oh, 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 oh. Comment j'évite ça moi? Wow wow wow, voilà la paix. Ok. Ok, c'est Dark Clint. Oh non, farieux. Oh, je suis blasé là. Okay. On va essayer une dernière fois et après on va s'arrêter là. Vous aurez vu le premier boss, ce qui est pas trop mal, je trouve. J'avais été déconcentré, je regardais. Hop. Donc je vais trop vite en fait. C'est mal barré. Je pense qu'on va malheureusement s'arrêter là dessus. Et ouais. Bon écoutez, c'est les amis, ce soir on va s'arrêter là. Donc c'était Evoland. Je vous le conseille, il est très sympa, pas très cher et puis bah, si votre manette marche, ça sera encore mieux, parce que vous regardez, c'est un petit peu relou. Jeudi, on se retrouve pour du multi, j'espère avec une meilleure connexion. Sinon, je pense que ça va être ce week-end pour une meilleure connexion. Sinon, bah, d'ici lundi prochain pour un nouveau live. Passez une bonne soirée les amis. Bye bye.